moi, sa parole est infaillible, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Elle reprend à lui sans Dieu. Jésus est mon papa, qui ne faillit jamais, car sa parole est infaillible, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Elle ne revient à lui sans effet. Tu es le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, et je sais que je ne serai jamais déçu. Tu es le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, et je sais que je ne serai jamais déçu. Tu es celui qui combat pour moi dans mes luttes, et je sais que je ne serai point vaincu. Jésus est mon papa, il ne faillit jamais. Elle est infaillible. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il l'accomplit. Elle revient à lui sans Jésus. Jésus est mon papa. Il ne faillit jamais. Car sa parole est infaillible. Ce que sa bouche Merci. A dit, sa main l'accomplit. Elle revient à lui. Jésus est mon papa, il ne faillit jamais, car sa parole est infaillible. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. On passe par là. Seras-tu prêt? Oui. On passe par là. Seras-tu prêt quand il viendra? Passe par là. Si tu es prêt, ici. Il te prendra. Regarde, allons. Alléluia, alléluia, Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te Jésus va revenir, seras-tu parmi les bons, parmi les rejetés? Jésus va revenir, seras-tu parmi les bons, parmi les rejetés?
y a l'eau là-bas. Il y a l'eau là-bas. Il y a l'eau, on va passer, il y a l'eau ici. Jésus va revenir, seras-tu parmi les morts, parmi les rejetés, et tu prends ma chance. Jésus va revenir, seras-tu parmi les morts, parmi les rejetés. La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour ce monde va passer. La vie est belle, et tu crois, mon frère, Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons, parmi les rejetés? Et tu crois, mon frère, Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons, parmi les rejetés? Le monde est donné, la vie chérie, le monde est donné.
Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec lui Jésus, je régnerai. À jamais. Je veux bénir mon sauveur. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma victoire m'appartient. Désormais, avec lui Jésus, je régnerai. À jamais. Le feu,
reviens, à Jésus reviens, voilà où se trouve ce feu. La vraie victoire est dans la vérité. Il est le feu qui brûle en moi et c'est le feu du Saint-Esprit. Comme le jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi. Faya, faya, faya. Il est le feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme le jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi. Faya, faya, faya. Je m'en fous, 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 je m'en fous
Maintenant tu meurs, tu
qu'il y a deux endroits. Il n'y a pas au milieu. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Mais pour aller au paradis, il faut payer le prix sur cette terre des hommes. La Bible n'a pas été inventée. Tout est dedans. Toi qui vas aller au ciel, il faut marcher selon la parole de Dieu. Le Seigneur dit que rien de souillé ne peut entrer dans son royaume. Ce Jésus là, on ne peut pas payer, il n'y a pas ma bouille. Vous dites non, comme c'est trop d'argent, j'ai fait beaucoup mal à arriver là-bas, j'ai dit tiens l'argent, je vais rentrer, tu ne rentres pas. Amen. Jésus est venu cette terre-là, tu peux pas marcher comme il veut. Alléluia. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui sont dans la corruption. Amen. Moi, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler aux chrétiens. Nous sommes plusieurs, le Seigneur va diriger chacune. Mais moi, je veux m'adresser aux chrétiennes. On dit aujourd'hui, on connaît Jésus-Christ de Nazareth. Quand on passe, oui, je suis chrétienne. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Vérité. Ton travail, c'est toi qui fais la corruption. Mmh. C'est toi-même qui montes même. Comment il faut passer même pour rentrer dans la corruption? Vérité. Et le dimanche, tu vas à l'église prier. Tu es sûr que le Seigneur t'entend, ma bien-aimée. Tu es sûr que le Seigneur te voit. Est-ce qu'on te dit que tu es en train de perdre ta vie? Avec Jésus, il n'y a pas un pied dans le monde, un pied à Jésus. Si tu décides de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, mets les deux pieds à Jésus. Mais pourquoi faire une fête ici? C'est-à-dire du lundi au samedi que faillait. C'est toi qui es le grand enfant de Maki. Et puis dimanche encore, tu vas encore aller au milieu derrière là à l'église. Je n'ai pas besoin de personnes comme ça. Le Seigneur ne prend pas la magouille. Le Seigneur ne prend pas des personnes qui sont double jeu, jamais. Soit tu es avec lui, soit tu es avec l'autre. L'homme à la culotte noire. C'est que tu es chez lui. Ce qui me plaît pour nos chrétiens, les chrétiens. Quand on marche, on sait près de nous sommes en train de pécher. Mais on se plaît dedans, on dit non, on va les demander pardon. Le Seigneur dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais quand tu entends sa voix, tu décides de marcher avec Jésus-Christ, corps et âme, esprit. Et tu continues encore dans ce péché-là, ma bien-aimée, mon frère. Laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que là, tu es en train de te moquer de ton créature. Je vais m'adresser à une soeur. Tu es dans une assemblée. Maintenant que tu es parti là-bas, tu étais dans le péché, concubinage. Et ce pasteur t'a dit, non, il faut rester dedans, il faut prier. Le Seigneur va faire. Ma soeur, laisse-moi te dire que si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Okay. Sans embouteillage, tu vas en enfer. Madame, parce que... Madame, gâter, tu t'as chaud, tu vas tomber en bas. Non, on n'est pas normal. Vas-y. Tu vas gâter, ça finit maintenant. Donc je vais te dire, écoute-moi très bien. Si tu es dans ce genre de situation-là, aujourd'hui, je sais que tu es ignorante. Si le Seigneur a voulu qu'on quitte Grand Bassam jusqu'à venir ici, là, certainement c'est pour parler à une de ses soeurs, une de ses filles, une demoiselle, une bien-aimée. Donc aujourd'hui, si tu entends la parole, n'anticipe pas ton cœur. Ne dis pas non, comme il a souffert lui, là, un jour ça va aller. Avec Jésus, il n'y a pas ça va aller dedans. Soit tu t'as marié, soit tu vas chez tes parents. Il n'y a pas amusement dedans. Ne dis pas non, je suis dedans. On va goûter un peu, on fornique un peu, tu pries un peu. Est-ce qu'on te dit que le Seigneur n'entend pas ta prière? Le Seigneur n'entend même pas. Quand tu ouvres ta bouche, c'est la pourriture qui sort. Et le Seigneur de tout son regard de toi. Aujourd'hui, tu entends cette vérité-là. Aujourd'hui, nous devons honorer nos parents. La Bible dit que l'homme quitte son père, sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux forment une chair. Mais toi, est-ce que cet homme allait honorer tes parents? Vérité. Est-ce qu'il allait demander ta main? Je vais vous donner le témoignage d'une compagne de nos filles. Elle est venue, elle a accepté la scène d'autrui. Elle a décidé de s'abstenir. Malheureusement, le diable qui ne se laisse jamais, il est tout en train de revenir sur les personnes fermes. C'est lui qui a péché million, là. Il tarde dessus jusqu'à ce que cette fille-là, malheureusement, elle tombe dans la fornication. Et cette dernière, elle a pris une grossesse. Je vous assure, si ce n'était pas la grâce de Dieu, elle mourrait à l'accouchement parce qu'elle avait fait déjà à le passer trois enfants par césarienne. Et la quatrième grossesse, quand elle partait, le médecin lui a dit vraiment, je ne sais pas le Dieu que tu adores, hein, mais si ce n'était pas Dieu, tu mourrais. À la suite de ça, on lui a encore donné des conseils. Je lui ai dit, ma fille, ferme tes jambes. Elle allait encore, elle a ouvert. Quand elle a fini de donner ce qu'elle pouvait donner parce que ce monsieur-là l'aimait, il allait changer, il allait venir la trouver. Je vous assure, il s'est bien foutu d'elle. Il lui a dit tout simplement, je connais ton parent, je connais ton père, je connais ta mère, est-ce que je suis allé me présenter là-bas? Je suis allé déposer la boisson, je suis allé payer ta dot plutôt. Alors, donc pourquoi
tu veux que je te marie. Je n'ai pas cette force à te marier parce que tu es venu sur mon cadeau. Aujourd'hui, malheureusement, après encore un enfant, donc elle avait quatre enfants sur un mariage. Tellement le fumé en fait dans ses yeux là. Elle était délivrée, elle n'a pas eu besoin de prier. Elle a soulevé ses bagages, elle est sortie de là. Je vais m'adresser à une soeur. C'est vrai, tu vas dire où je vais partir. Si je m'en vais là, qui va donner à manger à mes enfants? Laisse-moi te dire que le Seigneur là, quand tu décides de marcher avec lui, corps et âme, il ne va pas t'abandonner. Vérité. Il ne va pas te laisser. Vérité. Les gens peuvent se moquer de toi. Hein? Tu es parti, tu as mangé comment? C'est difficile d'avoir mari. Je vous assure, mes soeurs, celui dont tu as été tiré de lui là, quand tu viens là, il te regarde. La manière que tu es là, simplement. Et le Seigneur envoie ta porte à vers toi, le moment opportun. Quand je vais dire une soeur, faut pas te presser pour dire non, mon âge avance, je vais me marier. Il y a des mariés qui conduisent en enfer. Vérité. On voit plusieurs personnes, oui, je suis madame, mais le soir, elles pleurent dans leur foyer. Est-ce qu'elles peuvent venir même expliquer leur problème pour dire je souffre? Mais quand toi, tu la vois dehors, tu l'envies. Oui, elle est mariée, elle s'est mariée jeune. Attendons le temps de Dieu. Vérité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, les temps sont mauvais, les temps sont finis. Regardez comment nos enfants sont. Nos enfants, même mineurs, ils passent leur temps à chercher de l'argent sale. Les enfants ne respectent même pas leurs parents. Tout simplement parce que les parents ont démissionné. Vérité. Toi, parent, tu dois t'occuper de tes enfants. C'est ton enfant là, ta même fille de 16 ans. Parce qu'aujourd'hui, on la voit, on lui donne 25 ans. Il lui dit, va te chercher. Et un soir, c'est toi, parent, qui dit, faut m'envoyer un poulet. Hein. Vérité. Si tu t'en vas là, envoie mon poulet braisé. Hein. La dernière fois que tu es parti là, j'ai aimé le porc que tu m'envoyais là. Vérité. Parent, repends-toi. Tu vas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer le Seigneur. Quand le Seigneur te donne les enfants dans l'ignorance, c'est parce qu'il sait que tu as mesure. Et te dit bien, de leur donner une éducation qu'il faut. Mais aujourd'hui, vous laissez vos enfants, ils sont libres à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Les enfants même qui n'ont même pas l'âge de louer leur maison, ils vont louer. Et toi, parent, tu es fier. Laisse-moi te dire que tu vas rencontrer à Dieu. Donc si tu as encore envie, tu entends cette parole-là, non, dissipe pas ton cœur, s'il te plaît. Commence à te repentir. Va demander pardon à tes enfants. Ramène-les à la maison. Et commence, si toi-même tu n'as pas encore accepté Jésus aussi là, commence à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Seigneur va venir. Il vient te trouver comment? Dans le concubinage, dans le vol, dans la corruption, dans la masturbation, dans la jalousie. Mais ce qu'on doit savoir là, aujourd'hui il n'y a pas de petit péché. Comment dire non, comment je prends un peu seulement là, et puis cette hyper fornication là. Voilà, c'est trop gros. Devant Dieu, c'est le même péché là. Et même quoi? Tu vas à l'école, tu passes ton temps à tricher là. Celui qui tue là, c'est le même péché devant Dieu. Et même quoi? Il n'y a pas de petit péché. Repentons-nous. Répentance. Repentons-nous. Tout est dans la parole de Dieu. Repentance. Tout est dans la parole de Dieu. Repentance. Regardez comment nos parents par le passé s'habillaient. Mais elle ne gagnait pas de mari. Amen. Elle ne durait même pas même. Qu'elle soit nette. Dès que le monsieur la voit, il ne va pas venir pour lui dire je t'aime. Hein. Il va dire à son père. Vérité. Son père maintenant qui part vers maintenant la famille de cette jeune fille là. Vous dites que ah, mon fils a rencontré cette fille là, vraiment, il veut l'épouser. Vérité. Et regardez maintenant comment ça devient. Une fois on va prendre son baluchon. Aujourd'hui elle allait chez son chéri d'après elle. Sachez elle dépose bon, là-bas un vêtement. Sachet bleu. Deux jours après, la brosse à dents là. Trois jours après, le temps, le monsieur va s'en rendre compte, elle a déjà envahi sa maison. Mmh. Il ne peut plus la chasser. Mmh. Dans ça, tu fais un, deux, trois. Ah, il ne peut plus là. Je suis avec toi, tu ne me maries pas. Il allait te chercher chez tes parents. Il allait te chercher chez tes parents. Commence à te repentir. Donnons-nous de la valeur, nous femmes. Repentance. Donnons-nous de la valeur. Nous-mêmes, là, prenons soin de notre corps pour que les hommes puissent nous respecter. Amen. Habillons-nous décemment. On n'a pas besoin de tout montrer dehors. Vérité. Au contraire, tu montres dehors. Celui qui vient te dire bonjour, c'est un pervers. Il va venir prendre ta grâce, il va bien t'user et puis te jeter. Jamais quand il aura l'envie de se marier, c'est ça qui couvre son corps là. Je suis sûr que beaucoup ont déjà vu ça. Vérité. C'est ça qui ne sort pas, qui ne va pas dans ma quille. Il est tout à la maison auprès de sa part, auprès de sa maman, en train d'apprendre à cuisiner. C'est cette dernière-là qu'on marie. Vérité. Les gens qui sont là, regardez-les bien. Oui, ils font leur bêtise, mais quand ils sont prêts à se marier là, ils ne vont pas penser à l'air qu'ils vont toujours dans les maquis. Jamais. Qui dort jusqu'à se réveille à 4h du matin. Jamais. Elle boit jusqu'à se mettre dans le caniveau. Jamais. Je suis désolé. Donc si tu es dedans là, repends-toi. 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 Aujourd'hui là, tu ne vis pas ta vie pour quelqu'un.
Tu ne vis pas ta vie pour ton camarade, tu ne vis pas ta vie pour ta copine. Tu vis pour toi-même. Lis la Bible, tout est dedans. Aujourd'hui, personne ne peut te mentir, personne ne peut te voler. La parole de Dieu est claire. La fornication, c'est dans la Bible. Tu fais ça, tu meurs, tu vas en enfer. Toi-même, tu te masturbes, tu dis non, moi je ne cherche pas femme, je me masturbe. Tu te masturbes, la mort vient te trouver dedans, tu vas en enfer. Il n'y a pas prière pour toi, pour le mariage. Il n'y a pas de prière. La Bible dit que c'est que les personnes qui seront pures, qui hériteront du royaume des cieux. Amen. Quand on lit la Bible, on voit la vie des apôtres. Est-ce qu'on leur a déroulé le tapis rouge? C'est pour nous dire qu'aller au ciel, là, c'est dur. Toi qui pensais que si tu acceptais Jésus, c'est fini, hein, tu as menti. C'est maintenant que tu vas porter ta croix. De cette même manière, Jésus était martyrisé sur cette terre des hommes-là. C'est Jésus, toi aussi, là, tu vas payer de ta vie. Quand tu es un vrai chrétien, en tout cas, je te vais donner quelques critères d'un vrai chrétien. Quand tu deviens vrai chrétien, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne te masturbes pas, tu n'es pas dans corruption. Tu ne vas pas, toi, parent, aller encourager ton enfant qui n'a pas travaillé. Tu ne vas pas aller payer BAC pour lui, BPC pour lui, ou bien aller arranger sa moyenne. L'enfant qui doit reprendre, tu dis non, mon enfant, il ne va pas reprendre, tu dois en payer. Tu ne fais plus ça. Quand tu vas commencer à devenir comme Jésus-Christ de Nazareth, quand même tu verras, tes amis vont te fuir. Quand tu arrives à ce stade-là, dis-toi que tu es en train de suivre le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais si tu es chrétien, tu as toujours encore les mêmes amis. Tu es toujours là pour t'encourager. Laisse-moi te dire que Jésus ne te connaît pas. Peut-être d'autres diront que vérité. C'est trop cru, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps chacun nous reste à vivre. Moi-même, je ne sais pas combien de temps. Vérité. Donc si aujourd'hui le Seigneur me donne le souffle de vie, je suis dans la joie de parler de lui. Je suis dans la joie de venir crier haut et fort que Jésus l'est ressuscité. Et le Seigneur reviendra nous chercher. Il va venir nous trouver comment? Bientôt. Oui, d'autres disent, hein, vous avez vos grosses robes là, mais c'est vous qui sommes les méchants. Oui, il y a d'autres qui gâtent leurs dents dedans, mais si la trompette sonne aussi, elles ne vont pas partir. Malgré leurs grosses robes, elles n'iront pas. Parce que le Seigneur, il n'y a pas de semblant. Il regarde et l'extérieur et l'intérieur. L'être humain, nous, on regarde seulement l'extérieur. Le Seigneur regarde. Quand on parle, vous dites non, le Seigneur regarde seulement au cœur et pas à l'apparence. Si toi tu vas chez quelqu'un, on te donne un gobelet bien sale, rempli de caca autour, et puis on met l'eau là, tu vas voir. Mais tu peux dire non, je ne vais pas regarder l'extérieur, je vais regarder à l'intérieur parce qu'il y a l'eau dedans, je vais voir. Mais moi tu ne vois pas. Parce que tu constates que l'extérieur est sale. C'est la même manière le Seigneur aussi fait pour nous qui avons été créés à son image. Le Seigneur t'a créé noir, joli, tu dis non, il a mal fait. Toi, tu peux te donner le souffle de vie. Le Seigneur qui t'a donné le souffle de vie, là. Toi, tu vas lui dire que ce qu'il a fait, là, c'est vilain. Si le Seigneur t'a créé noir, petit détail, c'est parce que la corde dont tu as été tiré, quand tu te verras, il va dire, ah, voici un de mes os, chair de ma chair. Vérité. Mais là, tu allais te décaper la peau, là. Il ne va pas te voir. Il ne va pas te voir. Tu as dit, mais ici, là, ça ne va pas. Mais est-ce que toi-même, tu as honoré ton Créateur? Amen. Vérité. Nous sommes là, nous sommes en train de courir après les mèches brésiliennes. On veut regarder aux blanches. Le Seigneur nous a donné de beaux cheveux crépus à fond. Amen. Mais on n'aime pas. On va aller les défouser. Amen. Pourquoi? Vous finissez de défouser, vous n'avez plus de cheveux sur votre tête. Donc elles sont chauves par-ci, chauves par-là, elles sont bien maintenant de cacher. Vérité. L'homme qui t'aime, elle va t'aimer tel que tu es. Alléluia. Il ne va pas te dire, non, moi là, j'aime les femmes qui sont sexy. Celui qui te dit ça, là, ma soeur, je vais te dire qu'il ne t'aime pas. Vérité. Parce que l'homme qui t'aime, là, il veut que tu sois plus seul. Amen. Il va te protéger. Pour protéger ton corps. De telle sorte que quand tu sors là, les hommes aient du respect pour toi. Amen. Mais si le dernier te dit, non, il faut te plaquer. Moi, j'aime quand tu te plaques. Parce qu'il ne va jamais te marier. Vérité. Il ne va jamais te marier. Parce que si on devait marier les femmes plaquées, là, ce sont les prostituées là. Parce qu'elles sont les plus sexy. Si c'est pour faire le sexe là, elles ont tout fait, toutes les positions. Mais elles sont là-bas, on ne les marie pas. Donc, toi, tu veux un jour aspirant à entrer dans un foyer, marche selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas de chemin chez le féticheur. Non, non. Il n'y a pas de chemin chez le marabout. Non, non. Il n'y a
pas de chemin chez les prostituées. Non, non, Jésus est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas de chemin chez les marabouts. Non, non. Il n'y a pas de chemin chez les musulmans. Non, non. Il n'y a pas de chemin chez les vaudous. Non, non. Il n'y a pas de chemin chez les féticheurs. Non, non. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Les temps sont finis. Vérité. Les temps sont finis. Tic, tac. Tic, tac. L'horloge sera bientôt minuit. Alléluia. Bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prêt, bien-aimé? Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Chaque dimanche, on prend sa Bible, on prend sa famille et puis on va à l'église. Bien-aimé, es-tu prêt? Si Jésus venait aujourd'hui, es-tu sûr que tu seras enlevé? Question. Pose-toi la question. Bien-aimé, les temps sont finis. Que fais-tu pour te préparer à la rencontre de ton Dieu? Que fais-tu, bien-aimé, aujourd'hui, quand les temps sont finis? As-tu rangé ta vie? As-tu rangé ta vie, bien-aimé? Pour aller au ciel, il y a un critère. De la même manière que sur la terre ici. On a les critères, c'est pas si je suis pour l'élection mise. On a les critères pour les amis. On a les critères. Il est réel. Où iras-tu passer? Tu attends, tu combien de temps? Tu attends, c'est 100 ans. 80 ans pour les autres. 45 ans pour tous certains. Mais après les 45 ans que tu vas mourir, où iras-tu passer l'éternité? Où ira ton âme? Le Seigneur nous dit qu'il est à la porte. Je ne vais pas parler de ça. Jésus-Christ est à la porte. Jésus à la porte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aurais appris que le maire est venu ici il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas? On vous a dit que le maire allait venir ici, vous êtes préparé. N'est-ce pas? Il y a gens qui ont fait des vêtements, acheter de nouvelles chaussures, acheter de nouvelles mèches, aller faire les ongles. Tout ça parce qu'on a dit que l'autorité venait. Mais quand elle a dit de Seigneur Jésus, il vous dit qu'il est à la porte. Bien-aimé. Comment prépares-tu la gueule de ton Seigneur? Aujourd'hui, nos corps sont devenus des tableaux vivants. Vérité. Sont devenus des tableaux vivants. Tatouage par-ci. Tatouage par-là. Tous nos corps sont pour les tatouages. Bien-aimé, comment es-tu né? Elle veut me dire que nous sommes nés nus. Nous sommes nés nus. Nous allons retourner à notre créateur. Mais toi, tu es dénaturé. Tu es ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu l'as dénaturé. Après ton corps, un tableau. As-tu sûr que même les gens qui me tiennent, si on vient de voir que tu vas monter, est-ce que corps que tu as profané, ce temple, que tu as profané. Bien-aimé, toi ma soeur, qui aujourd'hui te dit chrétienne, ton corps est nu. Ton corps est nu. Quand tu t'habilles, chérie, regarde mes fesses. Chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde ma poitrine. Chérie, regarde mes orteils. Chérie, regarde mes yeux. Chérie, regarde mes cheveux. Es-tu né avec cet ornement? Question. Vous pensez que si Dieu voulait, on s'habille comme nous avions aujourd'hui, avec les piercings par-ci, les piercings dans les nombrils, les piercings au bout des seins, les piercings sur la langue, les piercings dans les narines, les piercings sur les lèvres. Vous pensez que le Seigneur voulait qu'on ait tout cela?
Il est capable de nous faire naître avec. Il est trop grand, trop puissant. Si le Seigneur voulait qu'on sonne le corps, nous osons le faire. Avec les bracelets, les chats de pied, les chats d'oreilles, les chats de cou, les bouts d'oreilles. Mais je vais vous faire une remarque. Là, vous êtes sur le corps humain, il y a combien de vies? On a là où le cas sort. On a là où on nous vit. On a la bouche pour manger. Là, on a les oreilles pour entendre. Vous pensez que ce Dieu qui est si grand, s'il voulait que nous nous parlions de bouts d'oreilles, de têtes, là, ça va nous créer comme ça, ça va nous créer avec le Dieu, avec le point d'ordonnement là. Et on se dit chrétien. On se dit chrétien et on attend. Si Jésus vient, il va partir avec nous. Il y a le message aujourd'hui. Si le Dieu veut te tourner avec tes ornements, tes bouts d'oreilles, tes piercings, tes nombril percé. Ta bouche percée, ton arrière percée, ta chose restera sur cette terre. Ah, la parole déclare que rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Répandant. Comment prépare, comment te prépare-tu pour l'arrivée de l'époux? Tu es encore dans les magies. Bien aimé, c'est toi les samedis qui te parles plus. Tu te répètes, il y a au moins 10 filles à ton répertoire. Bien aimé. Tu penses qu'avec cette vie de débauche, si demain le Seigneur venait, tu vas monter au ciel. Toi qui sais que tu es chrétien, ça me dit que tu vas dans la maquille. Maintenant, dimanche à l'église, tu vas aller faire du sang. Bien aimé, notre Dieu là, on ne peut pas se foutre de lui. Il voit tout, il sait tout. Il a devant lui une lettre cachée. Bien aimé, tout récemment on a vu la jeune fille au Ghana. Qui allait avoir des relations et qui s'est malheureusement pour être un démon de chair qui a donné du sang, qui a vomi du sang et les relations sont plus abattées. Vous pourrez gagner de l'argent pour quoi? Pourquoi pourrez-vous avoir l'argent? Je l'ai aujourd'hui. Question. Je l'ai donné, pourquoi pourrez-vous avoir l'argent? Dépendant. On vous dit les temps sont finis. Comment vous allez arranger votre vie? Demain, si le Seigneur Dieu, vous allez partir là, ça ne vous intéresse pas. Hein. C'est la génération pressée, pressée. Vous cherchez l'argent, pourquoi? Vous venez chez vos parents. Il n'y a pas de maison à payer. Si vous n'avez pas l'eau à payer, on vous nourrit. Vous demandez simplement d'aller à l'école pour assurer demain votre avenir. Mais vous dites non. Nous, on veut l'argent maintenant. Et vous mettez des alliances. Votre âme, pour le cœur du Seigneur, a souffert sur la croix. Bien aimé, quand la tête est plus comment est-ce que Jésus est mort, il n'est pas Dieu, il ne peut pas se compter. Il a porté notre souffrance. Il a porté sur lui notre souffrance, notre iniquité, notre transgression, notre péché. A saillé la vie de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous voulons obtenir ces sacrifices-là. Beaucoup de les choses vaines de ce monde. Quand on fait mort, est-ce qu'on a tiré ton confort? La vie du Kadhafi, quand il est mort. Ton corps est venu quoi? Rien. Bien aimé, comment prépare-tu l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on a la musique? Est-ce qu'on a le commérage? On est en train de l'utile? Est-ce encore une femme insoumise? C'est quelqu'un chrétien, notre mari dit qu'il dit. C'est toi qui fais la gérétique de la langue du marché. Bien aimé, est-ce que tu es en train de faire quelque chose là? Tu es la chance de la chance aussi, bien aimé, tu n'iras pas au ciel. Quand vous avez des grands dans le ministère, bien aimé, si aujourd'hui le Seigneur, le micro, si aujourd'hui le Seigneur, la catapulte sonnait, bien aimé, tu ne seras pas en lui. Comment prépares-tu la veille de l'époux? Es-tu une vieille folle ou bien es-tu une vieille sale? Cage, pardon. Es-tu une vieille sage ou bien une vieille folle? Amen. Parce que les vieilles folles sont dans les églises. Nous les côtoyons, nous les voyons, nous marchons avec elle, nous vivons avec elle.
Bien-aimé, quand tu es une vierge folle, il n'est pas encore tard. Quand tu donnes aujourd'hui l'occasion d'entendre la vraie évangile, t'attends le message de la sainte pour te convertir, pour venir réellement au Seigneur. Amen. Quand on vient au Seigneur, on n'est pas parce qu'on veut un mari. On n'est pas Seigneur parce qu'on veut, on veut avoir un examen. On n'est pas au Seigneur parce qu'on veut avoir des enfants. On n'est pas au Seigneur parce qu'on veut avoir un concours. Bon, Dieu, c'est parce qu'on veut aller au ciel. Amen. Ça te dit, aller au ciel. Amen. Tout ce temps de privation sur la terre, bien-aimé, pour rater le ciel, on dit non. Changez vos modes de vie. Changez vos manières de vous habiller. Changez vos manières de vous comporter dans la vie. Allez vos voisins. Allez vos familles. Nous avons tous reçu les fruits de l'esprit. Mais pour vous les chrétiens, la rancune, la colère, les murmures, les médisances. Bien aimé, si tu as encore la colère, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, quand tu n'iras pas au ciel, c'est parce que tu n'as pas encore la colère. Alors tu vas aller dans la colère, tu vas aller dans la colère. Préparer la table. C'est comme si tu as des pêches, des mères adoptives, des parents adoptifs. Et comment nous traitons les enfants du Seigneur? Nous sommes les enfants de nos enfants. Nous sommes les enfants de nos enfants. Nous sommes les enfants de nos enfants. Maman, t'as pas mal. Tu es le père chrétien. Papa chrétien. Qui est ta tête? Ta tête, le tombeau sur ta tête. Ta tête, c'est le tombeau sur ta tête. Et sur la porte, tu as les dieux du lot. Nous sommes les garçons. Tu as les dieux du lot sur la tête. Bien-aimé, je vais te faire berner par les églises qui disent que Dieu regarde le corps, que le cœur n'ira pas au corps. Le Seigneur, c'est un tout. C'est un tout. Le Seigneur nous met à 100%. Le Seigneur ne prend pas le bras, le pied, il ne peut pas laisser les jambes. Le Seigneur nous met à l'entier. Le corps, l'âme, l'esprit et le cœur, tout le Seigneur veut. Toi, chrétien, tu es encore dans les choses de la modernité. C'est toi qui es dans les habits de Marc, les guests, les tout-temps d'or. Les sentiments de la culture. Quel que c'est la vie là? Si il y a une humeur dans ça, c'est la vie de clair. Préparons-nous. Préparons-nous. Bien-aimés. Les choses sont ouvertes. Les mots à la porte. Tic-tac, tic-tac. La sonnette sonne. Soyez bénis. Amen. Amen. Mais vous dites à quoi vous ne vous sonnez pas aussi. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom. Et ceux qui en auront plus tard, je voudrais vous dire, parents, éduquez les enfants selon la parole de Dieu. Amen. Parce que moi, je viens du Canada, et j'ai un matin grâce de venir de connaître l'église si Jésus revient, c'est la dernière bâle. Au nom de Jésus, et c'est vrai. Ce que nous disons selon la parole de Dieu, ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Au Canada, il n'y a pas une bonne éducation pour les enfants, c'est le laisser aller. La meilleure éducation, c'est en Afrique. Amen. On dit aux parents, on vient Jésus, vient Jésus. Il ne faut même pas gronder les enfants. Pourtant, la parole de Dieu parle même de la verge. Il faut même pointer les enfants des fois. Et il faut enseigner les enfants selon la parole de Dieu pour qu'ils ne s'en détournent pas, étant Dieu. Amen. Mais à l'étranger, ce n'est pas le cas. À l'étranger, si tu grondes ton enfant, bien tu utilises les oreilles, le gouvernement arrache les enfants. Oui, et toi, le parent, tu te trouves privé de tes enfants. Un bon? Oui. Raison pour laquelle nous, Africains, nous envoyons prendre la chose, en Afrique pour avoir une meilleure éducation. Parce que là-bas, les enfants ne respectent pas les parents. Un enfant te regarde toi dans les yeux et il ne t'appelle pas ton nom. C'est ça. Donc vous avez la grâce vraiment d'éduquer vos enfants sur la parole de Dieu. Je ne laisse pas les laisser aller. Parce que, à la porte du ciel, le Seigneur va vous demander les dames de ses enfants. Il dira, je vous ai donné des enfants, vous avez vous fait. Bien que tu t'es décidé, bien que tu dis, entre guillemets, avoir marché, selon la parole de Dieu,
selon la sainte doctrine. Mais tu as négligé tes enfants. Tu as fait éduquer tes enfants selon la parole de Dieu. Alors tu n'en feras pas. Je suis désolée. C'est la vérité. Tu n'en feras pas. Éduquons les enfants selon la parole de Dieu. Habillons nos enfants selon la parole de Dieu. Parce que nos enfants, nous les habillons mal. Nous disons non, l'enfant doit être sexy. Sexy, ça n'existe pas dans la Bible. L'enfant doit être habillé décemment, comme son parent, comme c'est écrit dans 1 Timothée 2:9. Habillons-nous décemment et habillons nos enfants décemment. Même si nous avons accepté la sainte doctrine, habillons nos enfants selon la parole de Dieu. Vérité. Et si nos enfants vont grandir, et puis la parole de Dieu va se répertorier de génération en génération. Et cela va sauver leurs âmes. Nous nous disons chrétiens, mais nous faisons des choses. Nous nous disons chrétiens, mais nous avons la colère, la rancune. Nous insultons même nos enfants. Nous nous lavons avec nos enfants. Non! Un parent qui se lave avec son enfant maudit son enfant. Amen. Répentance. Répentance. Un parent qui se déshabille devant son enfant maudit son enfant. Répentance. Il y a beaucoup d'ignorance. L'autre est écrit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et c'est vrai. Répentance, chers parents. Répentance, chers parents. Un enfant ne doit pas voir la nudité de son parent. Vérité. Et un enfant ne doit pas voir la nudité de son parent. Donc, répentons-nous. Enseignons nos enfants selon la parole de Dieu et habillons bien nos enfants. Éduquons-les selon la parole de Dieu. Il faut dire aux enfants, si un homme ou un jeune gars te parle à vous, viens me parler. Ne laissons pas nos enfants, ne prenons pas un sujet sexuel comme tabou. Parce que c'est ce qu'on voit en Afrique. Les parents ne parlent pas de sexe à leurs enfants. Et c'est pas bon. Ça détruit les enfants. Si vos parents, vous ne parlez pas de sexe aux enfants, comment ils vont grandir? Ils iront eux-mêmes faire des recherches et ils chercheront à goûter c'est quoi le sexe. Avant, si toi, parent, tu as parlé, tu as éduqué ton enfant selon la parole de Dieu concernant le sexe, tu lui dis non, le sexe, c'est dans le mariage, quand un homme t'a déjà doté. C'est là où tu peux aller avec ton mari. Mais si un homme ne t'a pas doté, tu ne dois pas y aller avec lui. Tu dois entrer dans le mariage étant vierge. Mais c'est ce qui est rare de nos jours. C'est très très rare. Nous voyons les enfants à 12 ans, l'enfant n'est plus vierge. À 12 ans, l'enfant se marie déjà. À 12 ans, 13 ans, j'ai déjà les hommes et la voix des grossesses. C'est pas ça qu'on veut selon la parole de Dieu. Donc, chers parents, à la force du ciel, l'Éternel demandera les comptes. Donc, répentons-nous tous. Bien que nous soyons dans la sainte doctrine, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Jésus s'est levé du haut. Jésus s'est levé du haut. Jézabel est tombée du bas. La sorcellerie est tombée du bas. Le maquillage est tombé, du baba. Les mèches sont tombées, du baba. La santé est tombée, du baba. Jésus s'est levé plus haut. La méchanceté est tombée, du baba. La colère est tombée, du baba. Même le vol est tombé, plus bas. La jalousie est tombée, plus bas. L'orgueil est tombé, plus bas. La méchanceté est tombée, plus bas. Plus bas, plus bas, 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 plus bas. Plus bas, plus bas. Alléluia. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel brillera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous.
lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Sois disposé, sois fortifié. Ce soir, pour vous parler de la sainte doctrine. Alléluia. La doctrine de Jésus. Amen. J'aimerais que le Christ veut que ses enfants se comportent. Amen. Ses femmes se vêtissent pour hériter son royaume. Et nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Amen. Et dis pas aussi que c'est seul encore. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est nos pères qui nous envoient. Alléluia. On était vos collègues par le passé. Dans le passé, nous étions aussi comme vous. Mais aujourd'hui, nous avons accepté le Christ. Et il nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alléluia. Et nous voulons aussi la partager avec vous. Amen. Et nous voulons aussi que vous quittez ce monde. Parce que Jésus pourrait nous dire, nous sommes dans le monde, nous ne venons pas tous du monde. Et la lumière qu'il a mis en nous nous éclaire. En fait, que nous laissons tout ce que de Jésus a mis dans sa main. Amen. Et nous partons dans le paradis avec le Christ. Moi, avant, j'étais aussi comme vous. Je mettais la mèche. Je me dépimentais, je mettais les faux filles, les faux ronds. Peut-être que ici là, peu de personnes me connaissent. Quand je passe aussi, on me pose le doigt, c'est la haine du vilain. Mais je dis Jésus pour le Seigneur. Et Dieu, amen. Le Seigneur. Dieu a dit dans sa parole, Timothée 2, verset 9, qu'il dit il veut aussi que les femmes se taisent, c'est une monnaie descente, avec pudeur modeste. Ne se pas du détresse. Du tort, du de peine et de la vie sont eux. Ce qui se passe des bons œufs. Amen. Toi, tu dis, tu es enfant de Jésus. Et quand elle est la chrétienne, qui dit, elle est chrétienne, elle va à l'église. Mais la religion ne sauve pas. Jésus aussi, il est venu nous sauver. Mais l'église aussi ne sauve pas. L'église où la confie, elle n'est pas prêchée, ne sauve pas. Parce qu'on peut tous aller à l'église. Mais si on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Nous, on ne peut pas être sauvés. Parce qu'il a dit dans sa parole, lui, il ne veut pas que la femme met les mèches sur sa tête. Il ne veut pas que ton femme se dépimente. Le corps qu'il t'a donné, que ton corps reste naturel. Parce que tu es venu naturel. Nous, aujourd'hui, nous mettons les pelles. Dieu l'a dit, les or, que nous mettons comme des boules d'oreilles. Il a dit dans le ciel, il est en train de construire nos maisons tout en or. C'est pourquoi il ne veut pas que nous mettons les or sur nous. Parce que nous, nous avons de la valeur que de l'or. Donc nous tous, nous les femmes qui montons les choses de Jésus sur nos corps, répondons-nous. Parce que Dieu pourrait dire que les temps sont finis. Il est à la porte. Il dit qu'il est à la porte de ton cœur. Il frappe.